Cette annonce qui a été lancée, le deuxième appel à projet de la Fondation Caisse d'Épargne Hauts-de-France. L'objectif principal de cette fondation est de répondre aux grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de son territoire par l'accompagnement dans la durée de projets d'action emblématiques. Ce deuxième appel à projet a pour thème « Innovation et dynamique de territoire au service de la santé ». Pourquoi la santé aujourd'hui? Parce qu'on s'est aperçu que, compte tenu de l'espérance de vie qui s'allonge d'année en année, de la durée du travail qui s'annonce de plus en plus longue d'année en année, c'est peut-être un pléonasme, mais il vaut quand même mieux vivre pendant ces périodes en bonne santé. Et pour vivre en bonne santé, il y a des bonnes pratiques qui doivent être respectées, et ces bonnes pratiques, on s'aperçoit qu'elles ne le sont pas toujours. Sur le territoire des Hauts-de-France, il existe des disparités en termes de santé. Cet appel à projet visera donc à les corriger, en mettant notamment en place des actions innovantes ou en créant des emplois au service d'une alimentation saine et équilibrée. Le champ des possibles est vaste, comme le souligne Marc Delassu. Plusieurs domaines peuvent être envisagés, notamment des projets sur les bonnes pratiques alimentaires, sur le développement de l'agriculture biologique, des circuits courts. Ça peut être aussi des projets liés à l'e-santé, puisqu'il y a énormément de développement en matière de télémédecine qui peuvent nous aider à mieux vivre en bonne santé. On est dans une démarche qui est plutôt une démarche préventive qu'une démarche curative. La dotation globale est de 300 000 euros pour cet appel à projet. Les porteurs ont jusqu'au 30 septembre pour envoyer leur dossier complet uniquement par mail à l'adresse fondation@hdf.caisse-épargne.fr.